Voilà, donc on commence l'enregistrement. Donc, ce que je vais essayer de faire avant de commencer déjà les présentations, je dois m'assurer que vous avez tous des espaces de cours. Est-ce que vous confirmez que vous avez tous reçu des espaces de cours sur lesquels vous allez assurer la continuité pédagogique? Est-ce qu'il y a des participants qui sont jusqu'à présent qui n'ont pas encore reçu des espaces de cours? Est-ce qu'il y a des participants parmi vous? Est-ce qu'il y a des collègues parmi vous qui n'ont pas encore reçu des espaces de cours? C'est bon, vous avez tous eu vos espaces de cours. Moi, je ne comprends pas ce que c'est l'espace de cours, parce que c'est la première fois. Ah. Ouais. Sinon, je raconte. Un espace de cours, en fait, c'est un emplacement au niveau de la plateforme dans lequel vous allez mettre les ressources, vous allez mettre des activités, et vous allez entrer en contact avec vos étudiants. Vous êtes dans quel établissement, madame, exactement? Sciences juridiques. Sciences juridiques, bien. Voilà, donc j'ai aussi une autre collègue aux sciences juridiques qui a le même problème, donc n'a pas encore reçu son espace de cours. Donc, je vais vous donner mon adresse mail. Vous allez me contacter par la suite. Vous me donnez votre module et la licence ou bien le niveau au niveau duquel vous allez assurer le cours. Je vais vous créer l'espace de cours en question. Ok, merci. Allez. Je vous en prie. Je ferme mon Donc, micro, hein. oui, les mails et au niveau de la session de chat, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez me joindre à tout moment. Vous mettez simplement l'intitulé de votre cours et l'emplacement que vous souhaitez avoir au niveau duquel vous souhaitez avoir votre espace de cours. Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres collègues qui n'ont pas encore reçu d'espace de cours? Bien. Donc, ce qu'on va essayer de faire, je vais, avant d'entamer la présentation, cette séance va être articulée autour de trois points. Premièrement, je vais vous présenter la méthode de travail au niveau de cette formation. Deuxièmement, je vais faire quelques manipulations pour vous montrer quels sont les éléments ou bien comment vous pouvez procéder pour administrer vos espaces de cours. Et troisièmement, je vais vous laisser le temps pour ceux qui ont des questions ou bien des demandes d'éclaircissement sur un certain nombre de points. Je peux évidemment apporter des clarifications ou bien des solutions aux problèmes qui vont être posés. Donc, ce que vous avez constaté certainement déjà, que en fait, on a entamé la formation depuis lundi. Vous avez tous eu normalement accès à notre espèce de cours. Notre espèce de cours comporte plusieurs éléments et plusieurs ressources et plusieurs activités. Le cours est structuré en fonction de sections. Donc, section, on appelle cette partie-là, est appelée section. La deuxième aussi, c'est une deuxième section, et ainsi de suite. Déjà, jusqu'à présent, vous avez eu le cours à la première section. Vous avez pu du coup découvrir qu'est-ce que la plateforme Moodle. Vous avez certainement mis à jour votre profil sur la plateforme. Et par la suite, vous avez déposé le lien de votre espace de cours au niveau du lien en question, c'est-à-dire au niveau. Excusez-moi, Nahali, Oui. je ne vois pas Oui. l'écran, vous ne l'avez pas partagé. J'ai un Bien. écran, rien n'est affiché dessus. C'est la même chose pour tout le monde? Oui, moi Est-ce que aussi. c'est la même chose? Bien. Moi, je voyais bien. Donc, Pour moi, c'était bon. bien. Donc, pour visualiser l'écran de la présentation, vous avez au niveau de participants, vous avez le nom de Mohamed Ali Nahali. Donc, il y a deux profils. Il y a un profil là où vous écoutez la bande sonore. Il y a un deuxième qui est écrit Mohamed Ali Nahali entre parenthèses présentation.
Vous allez prendre ce profil-là et vous cliquez dessus. Vous pouvez l'épingler. Vous avez devant vous un épingle. Donc, vous cliquez sur cette épingle-là et vous allez commencer à voir la présentation ou bien à l'écran de mon ordinateur. Est-ce que vous arrivez maintenant à voir l'écran de l'ordinateur? Vous confirmez, s'il vous plaît. Oui, c'est bon pour moi. Pour moi aussi. Les autres, c'est bon. Parfait. Bien. Donc, je reviens à la présentation. Je reviens à l'espace de cours. Donc, au niveau de l'espace de cours, donc, au niveau de notre espèce de cours, je vais fermer et revenir au niveau de la présentation pour garder toujours la visibilité à tout le monde. Donc, pour la présentation, bien pour notre espèce de cours, on a dit qu'il est découpé en termes de sections et que chaque section comporte un certain nombre d'éléments. Vous avez déjà commencé par découvrir un certain nombre d'activités. Et je vous ai envoyé déjà depuis hier quelques activités à faire. C'était les activités 3, 4, 5 et 6. Il y en a d'autres, évidemment. La logique au niveau de cette espèce de cours est de suivre les consignes au niveau de chaque activité. Par exemple, si je prends l'activité 3, si on entre au niveau de l'activité 3, nous allons trouver un certain nombre de tâches. T, ça veut dire tâche. Donc là, par exemple, la première tâche consiste à créer une étiquette. Par la suite, la deuxième tâche consiste à ajouter un fichier, et ainsi de suite. Donc, ce qui est demandé de vous, c'est de suivre ces consignes. C'est-à-dire, si vous allez ajouter une étiquette, vous allez suivre la démarche. Donc, les consignes sont bien écrites là. Donc, vous allez suivre les étapes pour arriver à ajouter des étiquettes. Même chose, si vous allez ajouter un fichier, vous avez des tâches que vous allez les suivre pour arriver à ajouter un fichier. De même, pour ajouter un lien ou bien un dossier, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, vous avez un certain nombre d'éléments à suivre, un certain nombre d'étapes à suivre pour arriver à finaliser le travail demandé. Au niveau de l'espace de cours, vous avez aussi un certain nombre de vidéos. Vous avez donc presque 58 ou bien 59 séquences vidéo, soit des vidéos de ce type, par exemple celle-là ou bien celle-ci. Il y en a d'autres qui sont juste en bas. Et juste à la fin, vous avez carrément toute une playlist qui comporte exactement 55 capsules vidéo. Ces 55 capsules vidéo ont été faites exclusivement pour les besoins de ces formations. Donc, ce sont toutes les manipulations qui ont été enregistrées pour les besoins de cette formation. Donc, pour bénéficier de ces vidéos, vous allez cliquer sur ce bouton. Donc là, vous avez 1 sur 55. Demain, peut-être, il y aura 1 sur 56, 1 sur 58, et en fonction des vidéos qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez trouver toute une liste de vidéos. Vous allez lire, par exemple, celle qui vous convient ou bien la manipulation que vous souhaitez avoir, et vous pouvez facilement visualiser la vidéo pour suivre les manipulations nécessaires pour mettre à jour votre espèce de cours. Il y a évidemment d'autres séquences qui n'ont pas encore visualisé ou bien qui sont encore cachées. Je vais les ouvrir juste après cette formation ou bien après cette séance synchrone. Je vais les ouvrir ou ça va être mis à la disposition de tout le monde. Donc, vous pouvez avancer à votre rythme. Donc, il n'y aura pas en quelque sorte... Donc, chacun évolue à son propre rythme. Il y a des collègues qui vont certainement avancer rapidement, il y en a d'autres qui vont avancer petit à petit. Donc, chacun adopte son propre rythme à lui. Donc, le plus important, c'est d'arriver à finaliser le travail et d'arriver avec un bon espace de cours. Donc, ça, c'est par rapport à notre espace de cours qui comporte les ressources de la formation. Donc, cet espace de cours est réservé à vous simplement comme étant un accompagnement pour faire ou bien pour mettre à jour votre espace de cours. Maintenant, je vais passer à un espace, je vais passer à un autre espace qui ressemble à ce que vous avez eu déjà,
Normalement, lorsque vous allez avoir votre espace de cours, vous allez trouver une page vide qui n'a rien. Donc, je vais quitter le mode édition pour avoir la même interface que vous. Donc, vous allez avoir une page de ce type. Donc, cette page, en fait, c'est la page d'un espace de cours module qui n'a pas été modifié. Donc, pour faire ou bien pour arriver à faire les modifications nécessaires, à ce niveau-là, vous devez cliquer sur « Activer le mode édition ». Donc, l'activation du mode édition peut se faire de deux façons, soit à partir du bouton qui est juste à droite, en haut et à droite, ce bouton-là, ou bien à partir de ce lien qui existe au niveau du bloc « Administration ». Donc, soit vous cliquez sur « Activer le mode édition » au niveau de ce lien, ou bien vous cliquez sur le bouton qui est juste en haut. Donc, moi, je vais cliquer, par exemple, excusez-moi, donc je vais cliquer, par exemple, au niveau d'activer le mode édition. C'est clair pour cette étape jusqu'à présent? Oui, pour moi. Oui, très clair. Bien. Donc, lorsqu'on clique sur le mode édition, nous allons faire apparaître plusieurs éléments. En fait, ces éléments sont en nombre de trois. Vous avez des stylets qui sont de ce type et vous avez le mot modifié un peu partout et vous avez ajouté une activité ou une ressource. En fait, tout ce que vous allez ajouter au niveau de cette partie vide doit passer ou bien passera par ces trois éléments. Le bloc administration va servir seulement à paramétrer votre espace de cours ou bien à gérer l'accès à votre espace de cours, c'est-à-dire tout ce qui est inscription, tout ce qui est gestion des utilisateurs, gestion de groupe, va se faire à partir du bloc d'administration. Mais tout ce qui ajoute aux suppressions d'activités, d'éléments de cours, va se faire à partir de ces trois éléments-là. Donc, je vais commencer par voir les fonctions de ce stylet. Donc, par exemple, là, en fait, vous avez les sections. Les sections, qu'est-ce que c'est des sections? C'est l'équivalent, en fait, de ce qu'on appelle en enseignement à distance des séquences d'apprentissage. Les séquences d'apprentissage, si je fais une relation avec un cours présentiel, ce sont des parties de cours, c'est-à-dire des parties de chapitres, accompagné par des éléments d'activité. Par exemple, si j'ai un chapitre qui est composé, disons, de 20 pages, avec une série de TD à la fin du chapitre, lorsque je vais, par exemple, découper ces 20 pages en des unités, disons, pédagogiquement parlant, disons, qui sont reliées avec des objectifs, disons, 4 objectifs, j'aurai un objectif. Chaque objectif sera correspond à une séquence d'apprentissage. Et cette séquence d'apprentissage sera accompagnée par un exercice. Le tout va être mis au niveau de cette séquence-là. Bien. Donc ça, c'est lorsque je raisonne en termes de pratique d'enseignement à distance. Mais étant donné que nous allons faire simplement de l'accompagnement pédagogique, nous allons réserver chaque section à chaque chapitre présentiel. Donc si vous avez, par exemple, 4 chapitres, vous allez faire 4 sections. Si vous avez 3 chapitres, vous allez faire 3 sections. Donc, vous allez faire autant de sections que de chapitres. Maintenant, nous allons essayer de changer cet intitulé section 1. Je vais cliquer sur ce stylet. Pour changer cette section, je vais écrire chapitre 1, ou bien premier chapitre. Donc, je vais mettre, par exemple, premier chapitre. Une fois que j'ai terminé l'écriture ou bien la saisie, donc je vais cliquer sur « Entrée ». Et j'aurai maintenant « Premier chapitre » au lieu de la première section. Donc là aussi, je peux faire la même chose, « Deuxième chapitre ». Et je clique sur « Entrée ». La même façon, « Troisième chapitre ». C'est clair pour la fonction distiller. De la même façon, tant que j'ai distillé, je procède de la même façon.
Donc, le texte qui est juste devant l'oscillé, je peux le modifier. Par exemple, là, annonce en relation avec le cours. Je vais cliquer pour rendre simplement annonce seulement. Et je clique. J'aurai une modification. Vous voyez, j'ai annonce le cours. Est-ce que c'est clair pour cette manipulation? Oui. Oui. Bien, donc oui. J'avance. Je vais aller maintenant vers le mot « modifier ». Donc, à quoi ça va servir ce « modifier » ? Donc, le « modifier » est généralement devant chaque texte ou bien chaque mot ou bien chaque objet. Je vais avoir devant cet objet-là le terme « modifier ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce bouton, ou bien si je clique sur « modifier », ça me permet de modifier ce qui est devant. Par exemple, là, si je clique sur « modifier », celui-là, je peux modifier le forum. Si je clique sur « Modifier », je peux modifier la réalité. Et ainsi de suite. Donc, je vais cliquer initialement au niveau du premier « Modifier » pour ajouter le titre de mon cours. Je vais cliquer sur « Modifier » et j'aurai modifié la section. Donc, au niveau de la modification de la section, j'ai un champ dans lequel je vais mettre du texte. Par exemple, je vais mettre l'intitulé de mon cours. Je vais dire, par exemple, gestion des ressources humaines. Donc, supposons que ça, c'est l'intitulé de mon cours. Je vais le rendre, par exemple, centré. Je vais cliquer sur ce petit bouton qui me permet de montrer ou bien de cacher les boutons avancés. Les boutons actuellement sont cachés. Je vais les monter, donc je vais cliquer sur « Montrer » et j'aurai plusieurs boutons qui me permettent de mettre en page ou bien améliorer la présentation de mon cours. Donc, vous avez ici « Gestion de ressources humaines ». Je vais cliquer sur « Centrer ». Je peux, par exemple, les rendre en gras. Je peux aussi augmenter la taille. Par exemple, je vais adopter la taille moyenne. Je peux aussi mettre, par exemple, du couleur, par exemple, comme ceci, j'aurai le titre suivant. Parfois, on doit ajouter aussi, ou bien on veut ajouter le logo de notre établissement. À ce moment-là, je vais aller chercher le logo. Donc, je vais, par exemple, ici. Donc, le logo, il est là. Je vais essayer de sélectionner le logo, de cliquer sur le logo, et de faire glisser la souris à l'emplacement souhaité. Par exemple, là, et je lâche la souris, et j'aurai, à ce moment-là, le logo qui va être installé au niveau de l'emplacement souhaité. Le voici. Notre logo n'est pas centralisé, ou bien n'est pas centré. Je vais le sélectionner, et je vais le centrer. Et j'aurai, à ce moment-là, le logo au centre de l'écran de mon ordinateur. Si j'ai terminé, je vais enregistrer. J'aurai à ce moment-là le titre de notre cours avec le logo juste au centre. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui, c'est clair. Oui. Bien. Donc, la même chose, de la même façon, on peut aussi modifier ce titre-là. On peut apporter des rectifications et ainsi de suite. Donc, il nous reste maintenant de voir ajouter une activité ou une ressource. Donc, je vais me réserver le travail au niveau du premier chapitre. Je vais travailler sur le premier chapitre. Donc, je dois aller vers ajouter sur une activité ou une ressource réservée au premier chapitre. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource ». À ce moment-là, je vais faire apparaître toute une liste d'activités. Donc, il y a pas mal d'activités, presque 25 ou bien 22 activités actuellement. Il y a dans les, disons, 9 activités, 7-8 ressources actuellement. La différence entre activités et ressources, les ressources, en fait, ce sont les éléments de cours qu'on a que nous mettons à la disposition des étudiants et que ces derniers vont simplement consulter les ressources. Ils n'ont pas à intervenir, ils n'ont pas à, disons, à rendre quelque chose ou bien à faire
une réflexion, pour travailler un document ou bien pour soumettre un PDF ou bien un document Word, ne vont pas être interrogés sur des ressources. Donc, les ressources sont simplement du cours, des éléments du cours, des liens vers des ressources externes, des photos, des images, des PDF, des feuilles d'Excel, des documents Word, des documents PDF, donc n'importe quel document que l'étudiant peut consulter. Les activités, par contre, ce sont des éléments où l'apprenant est invité à rendre quelque chose. C'est-à-dire, ce sont des éléments où on demande l'apprenant soit à faire une composition, ou bien à répondre à une question, ou bien à mentionner son avis par rapport à un élément, ou bien à déclarer sa présence, ou bien, par exemple, à travailler par équipe, ou bien répondre à des QCM. Donc, tout ça, ce sont des activités. Et chaque activité doit être accompagnée par une note. Donc, lorsque vous donnez une activité, l'apprenant, lorsqu'il rend l'activité, il doit être noté, même simplement en donnant l'avis, disant « bien, très bien, passable », simplement, il doit avoir une correction derrière un travail qui a été fait. Donc, on va commencer par la ressource la plus simple, à savoir l'étiquette. Qu'est-ce que ça veut dire, une étiquette? Une étiquette, en fait, c'est un champ qui va nous permettre d'ajouter un texte ou bien qui va nous permettre d'ajouter des liens, qui va nous permettre d'ajouter les éléments, tous les éléments possibles que nous pouvons introduire au niveau d'un espace de cours. Donc, on va essayer de manipuler cette étiquette pour ajouter plusieurs choses à la fois. Donc, je vais commencer par ajouter que du texte seulement. Donc là, je vais cliquer sur, je choisis l'étiquette et je vais cliquer sur « Ajouter ». Donc, j'aurai à ce moment-là un champ de saisie, un espace de saisie. Au niveau de cet espace de saisie, je peux saisir du texte. Par exemple, je vais mettre objectif du chapitre. Donc, deux points. Et je vais citer, par exemple, au terme de ce chapitre, l'étudiant, ou bien l'apprenant, sera capable de deux points, et je vais citer les objectifs. Par exemple, le premier objectif, définir la notion de je ne sais pas quoi. Deuxième objectif, calculer quelque chose. Donc, vous voyez, donc là, j'ai mis que du texte. Je peux formater évidemment le texte. Par exemple, je peux sélectionner l'objectif du chapitre et le mettre en gras. Donc, si j'ai terminé, je vais enregistrer et revenir au cours. À ce moment-là, vous voyez que j'ai un élément qui s'ajoute. C'est un texte qui n'est pas cliquable. Donc, c'est une information simplement à donner à l'étudiant. Vous voyez qu'en face de cet objectif et de ce texte-là, il y a un nouveau modifié qui apparaît. Alors qu'au niveau de la deuxième section, ou bien deuxième chapitre, troisième chapitre et quatrième section, il n'y a pas ce modifié-là. Donc, il y a seulement ajouté une activité ou une ressource. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à chaque fois, lorsque vous ajoutez des éléments, vous aurez la possibilité à chaque fois de les modifier. Donc, nous allons voir ce qu'on a au niveau de ce bouton-là. Donc, au niveau de ce bouton-là, on a premièrement paramètres. Ce bouton paramètres, si je clique sur paramètres, je vais atterrir de nouveau sur le même champ de saisie qui m'a permis d'ajouter le texte en question. Donc, voici le texte. Je vais donc rien modifier, je vais enregistrer et revenir. Deuxième option, j'ai déplacé à droite. Donc, vous voyez ici, le texte est juste à la limite de la barre ou bien à la limite du premier chapitre. Si je clique sur « Déplacer à droite », j'aurai un déplacement
à droite du texte. Donc, vous avez le texte qui entre un peu. Je vais le, s'il est à droite, je peux le déplacer par contre à gauche. Donc, il revient juste à son emplacement initial. On a la possibilité aussi de cacher. Cacher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément-là, si je clique sur cacher, il devient invisible pour les étudiants. Il sera visible que pour les enseignants seulement. Donc là, cet élément-là, il est invisible pour mes étudiants, il est visible seulement pour moi. Pour reconnaître ces champs qui sont invisibles pour les étudiants, donc tout ce qui est invisible des étudiants, on va faire apparaître caché pour les étudiants. Donc la plateforme vous renseigne et vous dit que cet élément-là, il est caché pour les étudiants. Donc les étudiants ne peuvent pas voir ces éléments. Donc maintenant, je vais, tant qu'il est caché, je peux l'afficher. Donc j'aurai de nouveau ce champ-là. Donc par la suite, j'ai la possibilité aussi de dupliquer. Dupliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément qu'on a créé, on a la possibilité de le faire autant de fois qu'on souhaite. Donc, au lieu de réécrire l'élément, je vais le dupliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire copier et puis coller. Donc, si je clique sur dupliquer, j'aurai à ce moment-là un deuxième texte d'objectif du chapitre. Donc, ce texte-là, étant donné que par un chapitre ou bien au niveau d'un chapitre, j'aurai simplement besoin que seulement d'objectif du chapitre. Je n'aurai pas besoin de deux fois le même texte. Donc, je peux le déplacer. Ces flèches qui sont là permettent en fait de déplacer ce texte là où on veut le placer. Donc, par exemple, je veux avoir un déplacement au niveau du deuxième chapitre. Je vais le placer là au niveau du deuxième chapitre. De la même chose, je vais faire la même étape ou bien la même démarche pour aller placer cet élément au niveau du troisième chapitre. Et j'aurai à ce moment-là trois chapitres avec trois objectifs. Est-ce que c'est clair pour ces manipulations? Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. Oui, c'est bon. Merci. Bien. Donc, on revient. On a encore un bouton. Donc, supposons qu'on a, par exemple, ajouté, donc j'ai ajouté encore un quatrième objectif, alors que j'ai que trois chapitres seulement. Donc, cet élément-là, je peux le supprimer. Donc, je vais aller, par exemple, vers modifier et cliquer sur supprimer. Et je peux, la plateforme me dit, par exemple, est-ce que voulez-vous vraiment supprimer le document en question, bien l'élément en question? Je vais dire oui. Donc, je vais supprimer. Donc, ça, c'est la première façon selon laquelle on peut ajouter ou bien on peut manipuler les étiquettes. Nous allons ajouter encore une deuxième étiquette. Cette deuxième étiquette, simplement pour vous donner une idée sur l'architecture d'une séquence de formation. Donc, je vais la réserver pour écrire seulement le mot « ressources ». Donc, pour mettre les ressources à part et pour mettre les activités à part. Donc là, je vais mettre « ressources ». Je vais les mettre en gras et je vais enregistrer. Donc, vous avez ici ressources. Je duplique les ressources deux fois pour les mettre dans les autres emplacements. Voilà, donc j'ai ici ressources pour le premier chapitre, ressources pour le deuxième chapitre et ressources pour le troisième chapitre. On aura aussi besoin d'activités. Donc, je vais faire la même chose. Donc, étiquette, ajouter, et puis activité. J'enregistre et je reviens en cours. J'aurai besoin de deux autres activités. Je fais dupliquer. Et voilà, j'ai la première activité et la deuxième activité que je vais la placer là où je veux. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a les objectifs, les ressources, les activités. Donc, on essaie toujours d'adopter la même logique ou bien la même méthode de travail. Maintenant, je vais aller vers
je vais rester toujours au niveau des ressources et je vais ajouter une autre façon de ressources, par exemple, les URL. Qu'est-ce que ça veut dire URL? Ce sont des adresses vers des liens qui sont hébergés sur un espace donné ou bien un emplacement ailleurs. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter ». Donc, je vais mettre, par exemple, là, c'est une vidéo que je vais mettre. La vidéo, par exemple, est celle-là, ou bien, par exemple, on va dire celle-là, disons. Donc, je vais aller vers YouTube pour sélectionner le lien que je veux ajouter. Donc, je clique sur « Partager ». Je vais copier le code URL que je souhaite ajouter. Je vais aller vers URL externe. Je clique sur l'emplacement souhaité et je vais copier. Vous avez au niveau de l'apparence l'option suivante, au niveau de l'affichage, soit affichée automatiquement par défaut. Moi, je veux l'ouvrir dans une fenêtre surjacente, c'est-à-dire que lorsque l'apprenant clique sur le lien vidéo, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui permet à l'apprenant de voir la vidéo tout en restant toujours connecté à l'espace initial. Donc, je clique sur « Enregistrer et revenir au cours ». Donc, là, voici le lien. Si je clique, j'aurai la vidéo qui s'affiche à cet emplacement-là, tout en restant sur YouTube, évidemment. Il s'agit d'une ressource, donc je vais la placer sous « Ressources ». Donc, je la déplace au niveau de ressources. De la même façon, je peux ajouter d'autres éléments, par exemple les fichiers. Les fichiers, je vais les ajouter d'une façon très simple. Au lieu de les ajouter à partir de cet emplacement-là, je vais les ajouter autrement. Je vais, par exemple, réduire l'écran de mon ordinateur. Je vais aller, par exemple, à l'emplacement où j'ai des documents, disons, ici, et voilà, par exemple, là, je vais aller vers un cours quelconque. Donc, pour ajouter facilement des ressources, vous essayez d'ouvrir la fenêtre qui comporte les ressources. Donc, vous la mettez juste à côté de la fenêtre de la plateforme. Donc, vous avez deux fenêtres qui sont l'une à côté de l'autre. Vous allez sélectionner la ressource que vous allez ajouter. Vous cliquez sur la ressource et vous essayez, vous gardez la souris, vous gardez toujours votre souris en mode clic et vous faites glisser votre souris jusqu'à ce qu'on atteigne l'emplacement souhaité. Donc, vous voyez que la plateforme va m'indiquer ajouter ici un ou des fichiers. À ce moment-là, je vais permettre l'ajout du fichier. Si je détache la souris, donc je vais avoir facilement le document, il est en train d'être ajouté au niveau de l'emplacement souhaité. Donc vous voyez ici par exemple, il y a un emplacement ou bien une appellation de fichier quelconque, je vais modifier ça en cliquant sur ce stylet, par exemple je vais leur dire série travaux dirigés par exemple. Donc là, j'ai modifié le titre qui va être visible aux étudiants. Est-ce que c'est clair pour cette manipulation? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Bien. Donc, par la suite, on va aller vers autre chose. Donc, de la même façon, on peut ajouter cette fois-ci un dossier. Un dossier, qu'est-ce que c'est un dossier? Donc, je vais rendre l'écran plus visible. Donc, un dossier, en fait, c'est un répertoire où nous allons mettre plusieurs éléments. C'est-à-dire, supposons par exemple que vous allez assurer un encadrement pour des étudiants au niveau master et vous allez par exemple leur donner 20 articles ou bien par exemple 3 documents à lire ou bien plusieurs éléments qui sont en relation. À ce moment-là, vous pouvez les mettre tous ensemble dans un même dossier et vous les classer pour les mettre à la disposition des étudiants. À ce moment-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle la ressource dossier. Je sélectionne la ressource dossier, je clique sur « Ajouter ».
Le nom, c'est le lien, ou bien c'est le texte visible par les étudiants. Ils vont visualiser ce texte et ils vont cliquer pour se rendre, évidemment, au niveau du dossier. Par exemple, je vais leur dire « document à télécharger ». Donc, les étudiants, lorsqu'ils lisent ce document ou bien ce texte-là, ils vont cliquer, ils vont télécharger ou bien les articles qu'on est en train de les communiquer à nos étudiants. Maintenant, les fichiers, vous voyez, fichiers avec S. Donc, les fichiers vont être déposés au niveau de cet emplacement-là. Comment on fait? C'est très simple, avec le même principe. Nous allons essayer d'aller chercher l'emplacement de nos articles ou bien de nos documents à mettre à la disposition de nos étudiants. Par exemple, je vais sélectionner ce document-là et je vais le glisser au niveau de l'emplacement SOIT. Vous voyez, en fait, la plateforme, lorsque je ne suis pas au niveau du bon emplacement, elle indique un encadrement rouge pour attirer notre attention, pour nous dire qu'il faut lâcher les fichiers à l'emplacement qui est encadré en rouge. Et à ce moment-là, si je mets le document à l'emplacement souhaité, ce qui est en rouge devient en bleu. Donc là, je peux lâcher la souris. Donc là, j'aurai le document, juste quelques secondes. Voilà, ça c'est le premier document. Je peux faire aussi pour le deuxième document. Je clique et je fais glisser à l'emplacement souhaité et j'aurai deux documents. Je peux ajouter un troisième document. Je peux ajouter autant de documents que je souhaite. Donc, je ne suis pas limité au niveau du nombre des documents à mettre. Donc là, on a mis exactement trois, je pense, voilà, trois documents. Maintenant, l'affichage de documents peuvent être affichés de deux façons au niveau de la page. Soit que j'affiche sur une page séparée, c'est-à-dire l'apprenant, il clique sur le document à télécharger, il va afficher un emplacement ou bien une page, une nouvelle page où il va trouver trois documents qu'il va les télécharger, ou bien tous les documents vont être affichés au niveau de la page d'accueil. Donc, on va faire, par exemple, cette option pour voir. Par exemple, là, je vais afficher sur une page séparée. Et par la suite, je vais faire la même chose pour afficher sur une page, sur la page d'accueil. Donc là, sur une page séparée, et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Vous voyez là, par exemple, si l'apprenant voit ce document-là, donc « Document téléchargé », il va cliquer, il va trouver mes trois documents qui sont là, il clique sur le premier et le télécharge, et ainsi de suite. Maintenant, je vais faire la deuxième manipulation, c'est-à-dire je vais rendre ces documents visibles à partir de la page d'accueil. Donc, comment faire? Déjà, je vais placer ça, ce sont des ressources, je vais les placer au niveau des ressources. Et je vais aller vers « Modifier » et je vais cliquer sur « Dupliquer ». Et là, j'aurai deux documents à télécharger. Et au niveau du deuxième document à télécharger, je vais aller vers « Modifier »,« Paramètres ». Et au niveau des paramètres, au niveau de l'affichage, cette fois-ci, je vais dire au lieu d'afficher sur une page séparée, et je vais dire « Afficher sur la page du cours ». Et je vais cliquer sur « Enregistrer et revenir au cours ». À ce moment-là, vous voyez la différence. Initialement, vous avez ici un document à télécharger, c'est un répertoire qui va m'envoyer vers une nouvelle page. Et là, vous avez un document qui sont directement visibles à partir de la page d'accueil. Là, en fonction des répertoires, c'est en fonction de vos convenances et en fonction de vos habitudes, vous pouvez adopter la première ou bien la deuxième méthode, c'est en fonction de ce que vous voyez comme utilité. C'est clair pour cette manipulation? Oui. Merci. Bon, je reverrai après, moi. Je répète si vous souhaitez. Non, ça va, merci. Je reprendrai. De toutes les façons, vous aurez accès à l'enregistrement. Ok, merci. Je vous en prie.
Bien, donc on va essayer de voir une autre ressource. Maintenant, je vais essayer de créer une page. Qu'est-ce qu'une page? Une page, c'est un document HTML que nous pouvons créer, qui peut être cliquable à partir de la plateforme Moodle. C'est-à-dire, si je clique sur « Page », je vais, par exemple, par la suite, cliquer sur « Ajouter ». Là, je clique sur le nom, par exemple, qui va être toujours lisible ou bien visible aux étudiants, sur lequel ils vont cliquer. Par exemple, là, je vais leur dire « Information complémentaire ». Information complémentaire. Donc, au niveau du contenu de la page, je vais mettre quelques informations que je vais par la suite les formater. Par exemple, je vais leur dire le lien de site web ou bien site web de l'université virtuelle de Tunis, par exemple. Et là, je vais leur dire cliquez ici. Donc, ils doivent, lorsqu'ils cliquent ici, ils l'utilisent directement vers le site web. Ensuite, je vais, par exemple, donner prière, par exemple, prière de consulter l'image suivante et cliquer pour se rendre au site Google, par exemple. Et donc là, en fait, je dois rendre ce champ-là ou bien ce texte-là cliquable. C'est très simple. Je vais aller chercher le lien de l'université virtuelle. Donc, je vais mettre, par exemple, UVT. Voici le lien. Je sélectionne le lien en question et je viens vers notre page. Je sélectionne le texte et je clique sur « Ajouter un lien » ou bien « Link » et je vais cliquer sur « Je vais mettre le lien en question ». Je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je vais cliquer sur « Créer ». Donc, lorsque l'apprenant clique sur ce lien-là, il l'atterrit sur la page ou bien sur le site officiel de l'université virtuelle. Maintenant, nous allons ajouter une photo, bien une image. Par exemple, je vais chercher quelque part, disons, au niveau de cet emplacement-là. Par exemple, je vais cliquer, je vais ajouter cette image au niveau de l'emplacement souhaité. Donc, je vais le rendre centré. Par la suite, ce lien ou bien cette photo ou bien ce logo-là doit être cliquable. Donc, comment on fait? Je vais sélectionner ce logo et je vais cliquer sur toujours vers lien et je vais mettre le lien de Google. Donc, http://www.google.com. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre et créer le lien. Maintenant, nous allons enregistrer et revenir au cours. Donc, vous voyez maintenant notre information, elle est là. Si je clique, je vais trouver le texte qu'on a formaté et en cliquant sur « Cliquer ici », je vais atterrir sur la page ou bien sur le site officiel de l'université virtuelle. Si je clique sur UVT, je vais atterrir vers le site Google. Donc, vous voyez, en fait, l'utilité de la page web au niveau de Moodle, c'est qu'elle peut vous permettre, en fait, de donner plusieurs possibilités de mettre du texte, de mettre de l'animation, de mettre un langage ou des scripts donnés au niveau de plusieurs manipulations qui vous permettent en fait d'exécuter un certain nombre de fonctions. Des questions par rapport à cette manipulation? C'est bon? Oui, c'est bon.
Oui, c'est vrai. Bien. Maintenant, je vais revenir pour faire une petite synthèse par rapport, donc je vais structurer encore, donc ce sont toujours des ressources. Donc, je vais structurer un petit peu ce qu'on a fait. On a fait jusqu'à présent les dossiers, les étiquettes, les fichiers, les pages, les URL, les packages IMS et les livres ne vont pas être traités au niveau de cette formation. Donc, simplement, je vais vous donner d'autres idées pour ajouter des vidéos au niveau des étiquettes. C'est-à-dire, parfois, on peut afficher la vidéo carrément au niveau de la page d'accueil de votre espace de cours. Donc, pour cette raison, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cliquer sur « Étiquette » et cliquer sur « Ajouter ». Par la suite, nous allons vers la vidéo qu'on souhaite ajouter. On clique sur « Partager ». Vous avez le bouton « Intégrer » qui est là. Donc, je clique sur « Intégrer ». Vous avez le code « iframe ». Donc, je clique sur ce code-là et je vais le copier. Je vais aller par la suite vers l'étiquette en question. Je clique sur « Montrer les boutons avancés ». Je vais aller vers le dernier bouton qui s'appelle « HTML ». Je clique sur ce bouton-là et je vais « Coller ». Enfin, je vais « Enregistrer ». Et revenir au cours, et j'aurai ma vidéo qui est ajoutée au niveau de la page d'accueil de notre espace de cours. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, il faut mémoriser les différents boutons, c'est tout. Voilà. Oui, bah, c'est pour cette raison qu'on est en train d'enregistrer, parce que vous avez par la suite la possibilité de visualiser l'enregistrement. Oui, merci. Je vous en prie. En fait, au niveau de lors de cette séance, on a exposé presque la totalité des ressources à faire. La prochaine séance, nous allons commencer par faire les activités et nous allons aussi aborder la question de la gestion des utilisateurs. Comment on inscrit, comment on ajoute, comment paramétrer un espace de cours et tout ça. On est d'accord? Donc maintenant, je vais vous laisser le temps pour poser des questions si vous avez des difficultés ou bien des questions qui sont d'ordre, qui sont en relation avec la manipulation de la plateforme. Donc, je suis à votre disposition. S'il vous plaît, si vous avez des questions, essayez d'intervenir directement au niveau de la micro pour qu'on puisse s'entendre, parce que si vous allez tous écrire, donc on aura un fil de discussion au niveau du chat et je peux louper des questions. Oui, des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour poser une question? Alors, oui, en effet. J'ai une petite question concernant les visioconférences. Oui. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous le conseillez, en fait, parce que là, j'ai vu sur plusieurs forums, en fait, qui avaient le Hangout, Hangout Meet, Google Meet, Visio.tn, et je voulais simplement donc avoir votre point de vue. Pourquoi vous voulez faire des conférences, madame? Non, je voulais faire des visioconférences en plus de ce que nous offre aussi la plateforme. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que malheureusement, tous les collègues qui sont en train actuellement de mener une expérience d'accompagnement pédagogique sont allés directement vers l'usage des visioconférences ou bien des séances synchrones. Alors que vous avez certainement constaté au niveau de ces formations qu'on n'a jamais commencé par des séances synchrones. On vous donne des ressources. Vous êtes en train de manipuler, vous êtes en train de vivre le contexte d'apprentissage d'un apprenant au niveau d'un enseignement à distance. Et là, on intervient simplement pour fixer des éléments. Les séances synchrones. Oui, en effet, c'est pour ça, en fait. C'est comme complément, en fait, quelque part. Quelquefois, en fait, on a besoin de clarifier certaines choses. Et donc, voilà. Voilà. Parce que malheureusement, je constate qu'il y a pas mal de...
d'utilisation qui sort carrément du cadre d'enseignement à distance. Les sciences présentielles, ou plutôt les sciences synchrones, ne sont pas là pour donner un cours magistral. Maintenant, je reviens aux outils. Il y a vraiment une grande diversité au niveau des outils qui se valent plus ou moins. Je vais aller des outils qui sont très simples. Par exemple, vous avez tous certainement des comptes avec Gmail. Vous avez au niveau de Gmail, vous avez la possibilité d'utiliser Google Hangout. Donc, Google Hangout, il permet d'assurer des séances de visioconférence qui sont limitées maximum à 25 personnes. Et là, c'est vraiment limite par rapport à des séances d'enseignement à distance, parce qu'au-delà de 25, au-delà de 22, ce n'est plus de l'enseignement à distance. Donc, ça, c'est limité déjà à 25. Mais l'inconvénient, c'est que ce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Donc, pour les versions gratuites, il n'y a pas d'enregistrement. Ceux qui disposent des adresses mail, disons, non pas académiques, mais des adresses mail qui sont du type organisme.tn, par exemple, comme la mienne, j'ai l'adresse mail @uvt.tn. Donc, ces adresses mail permettent en fait d'avoir accès à Google Meet. Et Google Meet, c'est autre chose. Ça permet de, ce qu'on est en train d'utiliser maintenant, c'est Google Meet. Ça permet de garder aussi bien l'enregistrement, la traçabilité des chats ou bien des interventions en termes de chat. Ça permet d'aller jusqu'à 225 utilisateurs avec accès illimité en termes de temps d'enregistrement. Il y a aussi d'autres outils comme par exemple Webex, qui est très important comme outil. C'est un outil de Cisco. D'habitude, c'est un outil payant, mais actuellement, vu la conjoncture, il est en libre accès à tout le monde, donc tout le monde peut l'utiliser gratuitement. Il y a aussi, quoi d'autre ? Il y a Big Blue Button, qui c'est un composant de Moodle, mais actuellement, on a désactivé ce plugin pour une gestion d'espace. Il y a aussi, avec Microsoft, il y a Team de Microsoft, ça permet aussi de créer des visioconférences. Il y a Visio.tn, donc il y a pas mal d'outils. Maintenant, je ne peux pas recommander un outil particulier. C'est en fonction de vos besoins, c'est en fonction de vos habitudes, et c'est en fonction de la situation, en quelque sorte. Donc, chacun se trouve à l'aise avec un outil bien particulier. Okay. D'autres Parfait, questions? Merci. Je vous en prie, madame. D'autres questions? S'il vous plaît, essayez de poser des questions avec les microphones parce que je n'arrive pas à lire convenablement ce que vous êtes en train de taper. Des questions? Madame Malek, vous voulez? Oui? Oui? Oui. Voilà, j'ai voulu savoir, bon, parce que j'ai loupé les premiers cours, moi, mais ce n'est pas grave. Hier, avant-hier, je n'ai pas participé parce que ma demande m'a été confirmée le balah. Je ne sais pas, pour des problèmes techniques. Donc, est-ce que les activités dont vous avez parlé, c'est-à-dire les ressources ou les fichiers et tout ça, je dois les avoir dans mon ordi, pas sur le cours, sur mon cours, sur votre plateforme, sur la plateforme de l'UVT. Je n'ai pas compris votre question, madame. Est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire les fichiers ou les qu'on va déplacer pour mettre dans notre cours. Quand on fait le cours en direct, je dois les avoir sur mon ordi ou bien je dois tous les transporter sur la plateforme? En fait, là, si j'ai bien compris la chose, lorsque vous allez travailler sur votre propre espace de cours, ce que vous allez mettre sur l'espace de cours, c'est votre cours. Mais pour qu'il soit accessible aux étudiants, vous devez le déplacer de votre ordinateur et vous le mettez sur le serveur de l'université virtuelle via la plateforme, c'est-à-dire que ça doit être visible par les étudiants. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour les séances synchrones, si vous allez mener une séance synchrone, ce n'est pas la peine de mettre la ressource à l'instant même sur la plateforme. Vous pouvez utiliser directement
la ressource à partir de votre ordinateur. Et par la suite, si vous souhaitez, vous pouvez la mettre sur la plateforme. Ok, merci, c'est clair. Je vous en prie. D'autres questions ? Donc, il y a une question qui concerne la signalisation. Qui a posé cette question ? Donc, concernant la signalisation d'un cours en ligne, conformément aux normes de l'UVT, aurons-nous une formation adéquate ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Vous avez touché le terme exact, la signalisation. Donc, la signalisation, en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, comme son nom l'indique, avoir un scénario. Et le mot réellement vient du cinéma. Donc, écrire un scénario, ça demande énormément de techniques, ça demande énormément de travail, et ainsi de suite. Réellement, l'UVT, ce qu'elle propose depuis un certain nombre de temps, ce nombre de temps, ça date exactement de 14 ans, je pense, voire même plus. On est toujours en train de proposer un service d'accompagnement aux enseignants universitaires. Le service d'accompagnement a été récemment structuré depuis exactement 5 ans autour d'un programme qui s'appelle IFEL. Vous pouvez trouver la page officielle du programme IFEL sur Facebook. IFEL, c'est Ingénierie de la formation E en ligne. Pour dire en ligne, E, c'est pour dire en ligne. Ça s'écrit IFEL. Donc, ce programme IFEL propose exactement 7 cycles de formation. Chaque cycle de formation a une durée d'un mois et vous allez travailler réellement sur vos propres ressources. Au terme de ces 7 cycles de formation, vous allez être doté des connaissances, des savoir-faire et de la pédagogie nécessaire qui va vous permettre d'avoir ou bien de vivre une expérience d'enseignement à distance. Généralement, les collègues qui ont passé par cette expérimentation-là ont tous des espaces de cours actuellement. Ils sont autonomes et ils travaillent convenablement avec leurs étudiants, avec des technologies qui sont très avancées, qui sont actuellement qui offrent carrément un enseignement à distance proprement dit. Mais ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de l'accompagnement pédagogique. Simplement, on est en train de garder le contact avec nos étudiants via un dispositif d'enseignement à distance. Maintenant, de point de vue timing, actuellement, on ne va pas faire des sessions de formation IFEL, parce que normalement, IFEL, ça s'achève avec l'année universitaire et on démarre avec l'année universitaire l'année prochaine, probablement septembre-octobre. Donc, il y a des annonces qui se font systématiquement via le site web de l'université virtuelle. Mais soyez sûr et certain, vous êtes actuellement au niveau de la base de données de l'université virtuelle. Toute communication vous sera adressée pour, si vous souhaitez évidemment, de suivre ces formations. Quoique, à chaque année, on informe les établissements universitaires de ces missions ou bien de ces interventions. Mais je ne sais pas si l'information passe ou non, mais le service a été toujours, chaque année, on livre aux enseignants universitaires gratuitement. Donc, votre inscription, elle est gratuite au niveau du programme IFEL. Tous les services proposés par l'université virtuelle sont gratuits à tous les enseignants universitaires tunisiens. D'autres questions ? Oui, Madame Alec, l'enregistrement va être fait, a été fait déjà et je vais le mettre en ligne le temps que je le mets sur YouTube et je vous donne accès via la plateforme Moodle ou bien sur le groupe de l'enseignement virtuel de l'Université de Carthage. D'autres questions ? S'il vous plaît. Comment ? J'ai une petite question, s'il vous plaît, plutôt basique. Oui, madame. Des cours d'être déposé en fichier PDF ou Word ? Madame, je n'ai pas bien entendu, il y a des coupures au niveau de votre question. Alors, c'est par rapport au fichier que vous pouvez déposer dans le cours. On devrait le faire sous format Word ou format PDF? La plateforme accepte tous les formats possibles. Maintenant, est-ce que vous allez proposer un format PDF ou bien un format web ou bien un format Word?
le plus simple actuellement, c'est de déposer un format PDF. Pourquoi ? Parce que si vos étudiants utilisent des smartphones, ils n'auront pas la possibilité facilement d'utiliser ou bien de lire les formats Word. Mais par contre, les formats PDF, c'est facile à utiliser, facile à télécharger, facile à manipuler. D'une façon, scientifique, il ne faut plus aller vers les versions PDF, il faut aller vers d'autres notions, vers d'autres formats, par exemple en utilisant Opal ou bien en utilisant d'autres logiciels qui vont créer de la dynamique au niveau des ressources. Parce que les versions PDF, ça suppose quoi ? Ça suppose que l'apprenant télécharge le document, il quitte la plateforme, il n'a plus de contact avec l'enseignant. Et si vous allez mettre d'autres outils ou bien d'autres activités, d'autres logiciels et d'autres éléments qui vont créer la dynamique au niveau de la plateforme, à ce moment-là, l'apprenant sera toujours rattaché au dispositif de formation, il sera toujours en contact avec son enseignant. Oui, d'autres questions ? C'est Nahani. Oui. J'ai créé les espaces de cours et je les ai achevés. J'ai commencé deux séances synchrones avec mes étudiants et sur une autre plateforme. Sur la plateforme Moodle, mais en intégrant Jitsi Meet. Jitsi, VVT nous avait à un certain moment initié à Jitsi Meet. Ça a marché, sauf que on s'est mis d'accord avec les étudiants de désormais présenter leurs exposés à travers également le Jitsi Meet. Et il y a certaines fonctionnalités que je n'arrive pas du tout à maîtriser. Est-ce que cela permet de présenter directement des travaux ou est-ce qu'ils doivent se filmer auparavant et présenter des capsules vidéo, les enregistrer sur les espaces d'hébergement du cours? Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est qui exactement, les apprenants ou bien vous? Non, c'est les apprenants. C'est à vous de prendre une décision par rapport à ce qu'ils doivent faire, madame. Si vous voulez que les apprenants se filment et vous donnent des comptes rendus sous forme de vidéo, c'est une très bonne idée. Mais maintenant, il faut penser à la possibilité d'héberger la vidéo parce que nous n'aurons pas la possibilité de la déposer directement sur la plateforme. Maintenant, côté Jitsi, c'est vrai que Jitsi, c'est une plateforme qui est extraordinaire. C'est une plateforme open source. On est encore en train de travailler avec elle au niveau de l'université virtuelle. On va probablement l'intégrer à Moodle. Ça permet carrément d'entrer en contact avec les étudiants via la plateforme Moodle et Jitsi. C'est une plateforme open source qui permet carrément une configuration avec YouTube. Donc, les vidéos basculent directement vers YouTube. C'est vrai qu'au niveau de l'interface, l'interface, elle est plutôt, non pas sophistiquée, mais offre plusieurs fonctionnalités. Principalement au niveau du paramétrage, c'est un outil très, très formidable et très, très généreux en termes de fonctionnalités. Maintenant, c'est à vous, madame, de prendre une décision par rapport à l'outil que vous allez utiliser et par rapport au rendu des étudiants. Je vous demande conseil, là. Est-ce qu'ils peuvent utiliser des fonctionnalités à même de permettre une interactivité, que tout le monde puisse intervenir au moment de la présentation, ou est-ce que si vous me dites que sur Moodle, ils ne peuvent pas déposer des capsules vidéo, et donc il vaut mieux rester sur Jitsi, d'accord, et le faire de manière interactive? Vous pouvez penser autrement l'activité. Ils peuvent par exemple faire des enregistrements, ça c'est une très bonne idée parce qu'eux ils maîtrisent convenablement tout ce qui est technique d'enregistrement et vidéo et tout ça, donc ils peuvent se filmer, ils peuvent faire des capsules vidéo et par la suite vous pouvez les inviter à partager ces vidéos soit sur des drives par exemple, ça pourrait être sur Google Drive, hein. Et ils peuvent vous donner simplement
le lien, vous pouvez visualiser la vidéo, vous pouvez la mettre en commun avec tous les autres étudiants. C'est une très bonne idée, madame. Là, je vous incite à l'utiliser. Bien, je vous remercie, monsieur Mahal. Moi aussi, je vous remercie. Oui, d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais simplement vous rappeler en fait que dès maintenant, je vais ouvrir toutes les activités. Vous allez progresser à votre rythme. N'oublions pas que vous pouvez toujours me contacter à tout moment. Je suis toujours à votre disposition, aussi bien par rapport aux ressources existantes sur la plateforme ou bien par rapport aux différentes difficultés. Si vous allez évidemment rencontrer des difficultés, je suis toujours à votre disposition. N'hésitez jamais à me contacter. On reste toujours en contact, soit au terme de cette formation ou bien même après la formation. Je suis toujours à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt. Merci. Ouais. La prochaine réunion, excusez-moi, j'ai oublié de vous rappeler que la prochaine réunion sera samedi. Donc, je vais vous envoyer un mail dans ce sens. Ok, merci. Je vous en prie. Ok, parfait. Très bien. Merci.